bismillah minacheton rahman bisimina rahim fidèles téléspectateurs de la MTA francophone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou. Alors, merci de nous prendre en marche pour un nouveau chapitre du ciel nouveau. Si l'objectif des religions est donc d'inculquer la paix, la tolérance et donc l'amour du prochain, alors pourquoi est-ce que nous peinons à avoir une société de paix où les communautés vivent en harmonie. Alors c'est cette question qui a aiguisé un peu plus nos curiosités et nous nous posons la question de savoir si la religion est vraiment gage d'harmonie et de paix dans nos différentes sociétés. Alors à cette question, nous avons la réponse tout à l'heure, nous aurons la réponse tout à l'heure avec euh, nos invités sur ce plateau. Nous avons le missionnaire. Watara tar Draman, salam alaykoum wa rahmatoullah. Wa salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Et à côté de lui nous avons notre bien-aimé Mourabi Zalou Mohamed, salam alaykoum wa rahmatoullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa, wa, wa barakatou. Alors, une question qui nous taraude beaucoup l'esprit, la religion ou du moins les religions, l'objectif pour lequel elles ont été instaurées par Dieu. Serait qu'elle inculque la notion donc de paix, d'unité, on va dire de tolérance, et donc de permettre à nos différentes sociétés, à la population, de vivre en harmonie et donc en paix, et qu'elle se côtoie en toute courtoisie. Alors, le constat qui est fait, c'est que nos sociétés peinent encore à vivre dans l'harmonie. Alors, cela nous a donc poussé à vous inviter afin d'avoir, si possible, des réponses à cette interrogation. Alors, très rapidement d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que l'harmonie sociale Au nom d'Allah le Gracieux le Tout Miséricordieux. L'harmonie peut se définir euh, en des termes suivants, euh, peut se définir comme étant un accord parfait entre plusieurs parties qui forment un tout qui concourt pour une même fin. Donc euh, voilà en quelques mots pour paraphraser vivre en harmonie, c'est-à-dire vivre en paix, vivre avec ses semblables sans avoir de conflits. Vivre heureusement en groupe et puis avoir euh, formé tout comme, tout comme un, un, seul seul corps. un seul corps et avoir les mêmes objectifs. Donc voilà en quelques mots ce qu'on peut définir comme l'armée. Donc quand vous vivez en société, vous êtes en accord parfait avec euh, vos voisins, vous êtes, vous êtes en accord parfait avec votre société et que vous avez les mêmes objectifs, c'est-à-dire les mêmes objectifs sociaux bien sûr, ce n'est pas individuel même objectif social qui, qui peut être, par exemple, la paix, voilà, le progrès euh, euh, dans la société. Donc, tout cela fait partie des aspects de ce qu'on appelle l'harmonie. Donc, vivre en harmonie, c'est vivre en paix, vivre en cohésion avec ses semblables sans avoir de problème. D'accord. Alors, vous avez dit que vivre en harmonie, c'est effectivement ces différents corps qui doivent constituer effectivement un tout, donc un seul corps. Dans lequel, n'est-ce pas, tout le monde devait se sentir, on va dire, à l'aise. Alors, rapidement, Misionnaire Abdurrahman, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper, que la religion, ou du moins les religions, en général et l'islam en particulier, peuvent être les garants de la paix dans nos sociétés. Alhamdulillah. Aujourd'hui, bismillah ar-rahman rahim effectivement, la religion en général, puisque toutes les religions viennent de Dieu. Si Dieu est la paix, donc ça veut dire que toutes les religions, à leur source, à leur base, donc ils ont enseigné la paix, l'harmonie dans la société, puisque nous parlons maintenant de l'islam. Effectivement, l'islam, la religion la plus parfaite. Qui a été révélé sur l'homme le plus parfait. Et le livre que nous avions aussi, c'était un livre parfait. Donc, quand nous allons consulter le Saint-Coran, par rapport à uh, la paix et l'harmonie dans la société, ah. que dit le Saint-Coran Le Saint-Coran nous dit ceci, dans la soirée 10, verset 26. Wallahu, yadou iladar salam. Wallahu, yadou iladar Salam. Allah appelle vers la demeure de la paix. C'est un appel de Dieu. Oui. Dieu appelle l'humanité vers où Vers la paix. Alors, si chacun a répondu la main tendue. Allah subhanahu wa ta'ala qui que vers la paix si l'humanité a accepté cette main tendue d'Allah subhanahu forcément on aura l'harmonie, la paix dans la société. Et tenez-vous bien, mon frère Kima, alors ce Ta'ala ne s'arrête pas là. Il va encore plus devant. Il dit ceci encore dans la soirée 25, verset 64. Les serviteurs de Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. 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 Les serviteurs de Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Lorsque les ignorants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'adressent à eux, ils disent paix. Voyez Donc partout, dans le Saint-Courant, Dieu n'invite l'humanité vers autre chemin que la paix. Voilà pourquoi ceux qui marchent... Un vrai croyant, un vrai musulman, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire, il faut qu'on sent la paix dedans. Dans la démarche, dans les habillements, en un dans, dans, dans la nourriture, dans la boîte, tout ce qu'un musulman doit faire, il faut qu'on doit sentir la paix. Car c'est cette paix-là, cette harmonie-là, qui nous appelle vers la paix, vers l'harmonie. Si l'humanité a compris ces messages, J'espère que uh -huh, l'harmonie et la paix que nous souhaitons, on peut, chacun peut avoir cette paix et cette harmonie. Donc, on ne trouve là nulle part la paix et l'harmonie que dans la religion, surtout dans l'islam. Je me un peu à ce oui, qu'il a dit. Oui, allez-y. Dieu n'est pas en désaccord avec ses attributs. Bien sûr. Donc, si la religion vient de Dieu, certes, et Dieu, un attribut de lui qui s'appelle As-Salam, donc, qui est euh, celui qui procure, celui qui donne la paix. Donc, la religion ne peut pas être source de conflit et ne doit pas être source de conflit. Donc, si Dieu, son attribut, son attribut est, est celui qui procure la paix, celui qui donne la paix, que ce, soit, quel type de, que ce soit la paix intérieure ou bien la paix extérieure, Dieu est à la source de ça. Et la religion particulièrement la religion musulmane qui est islam, qui veut dire soumission, qui parle de paix, parle de soumission. Donc cette religion ne peut pas être et ne doit pas être le source des désaccords que nous voyons aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que le frère Abdraman. Oui, je suis, je suis vraiment heureux, effectivement, de vous écouter, le dit, effectivement, Dieu n'est ne, pas en désaccord et ne peut pas être en désaccord, effectivement, avec ses, ses attributs. Nous appartenons à une religion dont le nom est paix. Nous avons donc une salutation commune qui transmet toujours la paix. Nous faisons, nous réclamons, n'est-ce pas, du vénéré prophète alaihi wasallam, qui est le plus souvent appelé le prince de la paix. Alors, on a encore du mal à comprendre qu'il y ait encore des gens qui attribuent des allégations Vis-à-vis euh, -vis du Vénérable Prophète le le traitant et le taxant euh, d'un homme, j'allais dire, euh, euh, on va dire, d'un homme, d'un vat en guerre, le traitant souvent d'un homme, on, on va dire, de guerre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de ces propos à l'égard du Vénérable pour sallam, M. al Moumad le, le, que, que, face à toutes ces allégations, face à tous ces commentaires faits à son sujet, quel est le caractère et les enseignements euh, que nous pouvons donner à, à tous ces propos Alors, Merci bien. Contrairement à toutes ces allégations euh, forgées contre le saint prophète, sa vie est, un, euh, est une réfutation palpable de ces allégations ces enseignements sont des preuves palpables. Qu'il suffit seulement d'ouvrir le livre et que vous irez tous écrire. Donc, contrairement à toutes ces allégations, le Saint-Prophète Mohammed a prôné la paix dans toutes les couches de la société. Que ce soit dans la cellule familiale, le Saint-Prophète a, a, nous a montré les voies à suivre, comment établir la paix et lui-même, sa personne, était un exemple. Voilà. Que ce soit communautaire, il a montré et lui-même, il a servi d'exemple euh, euh, pour montrer Que ça soit. Euh, au niveau national, et même il ne s'arrête pas là. Jusqu'au niveau international, le, le Saint-Prophète Mohammed a établi des faits, des principes très clairs, des codes, normes, des normes à suivre pour établir un paix. Par exemple, quand le Prophète salam, était à, à la Mecque, il avait quelque chose de 13 ans à la Mecque, et toutes sortes de persécu persécutions lui ont été infligées par ses ennemis, par ses relatifs, mais il s'est pas vengé, ni demandé de l'aide à quelqu'un aller à l'extérieur, aller demander une armée ou bien à une puissance bon, moi mes propres gens m'ont torturé, voilà, je suis opprimé, donc venez m'aider. Non, il n'a pas fait ceci, mais il a, il a préféré la paix jusqu'au prix même de, à, à, il a payé euh, le, le, le prix de la paix jusqu'à un certain niveau que personne d'autre que le Saint Prophète, l'histoire ne fait mention. Personne n'a enduré les souffrances que le Saint-Professeur -Saint a endurées seulement pour que, règne la, pour que règne la paix. Donc, de sa pratique, on ne peut pas dire que non, le Saint-Professeur a prôné peut-être la violence ou bien c'était eh, un prophète sanguinaire. Non, loin de là. Et c'est pas là qu'il a aussi enseigné à ses compagnons. Parce que quand on infligeait ces gens de châtiment, ce n'était pas seulement à lui seul. Ses compagnons aussi subissaient les mêmes sorts. Donc, il y a certains même qui sont venus demander au professeur Sam pour dire que ah, donne-nous la chance, au moins, il ne reste seulement que deux jours, on va montrer à ceux-là de quoi on est capable. Le Saint-Professeur a dit non, soyez patient. Soyez patients. Donc, face à toutes ces difficultés, le Saint-Professeur n'a permis à personne, pendant 13 ans, il a même été mis en quarantaine pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a un boycott social, lui avec ses compagnons, pour dire ok, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'interaction entre nous et vous. Et, et, on ne va pas faire le commerce avec vous et vous n'avez pas le droit de faire le commerce avec nous. Donc, c'était tout un traité. Donc, ils ont été mis en quarantaine en dehors même de la ville. Même de la nourriture, l'eau potable, ils étaient déprivés pendant trois ans. Donc, si c'était un homme ordinaire ou bien un homme qui avait le désir de Vance, voilà c'était l'extrême. Donc, il avait tous les, toutes les raisons à faire un front. Mais il s'est abstenu pour qu'il ait la paix. Donc, on, toutes ces allégations, quand on, on regarde, quand on étudie la vie du saint prophète Mohammed, ce n'était pas que non, il, il c'est lui qui a commencé à attaquer. Non, non, non. Donc, au contraire, il a été eh, torturé, maltraité eh, à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Mais il n'a pas, non seulement il n'a pas répliqué, il n'a pas tirer son épée pour répliquer et il n'a même pas permis à ses compagnons de le faire et il, a, il les a dit que non, Dieu ne vous a pas donné la permission de, de vous défendre ou bien de répliquer. Donc voilà en quelques mots quelle était la situation de saint prophète Et prenez l'histoire de tous les prophètes. Personne n'a subi de tels sorts que le Saint-Prophète Mohammed Sassalam et la patience et l'endurance qu'il a fait face à ces épreuves, vraiment, l'homme est épaté, l'homme reste mieux. Comment une personne peut être aussi patient et tolérant jusqu'à ce niveau jusqu ce Donc, euh, la religion, je reviens, est vraiment un gage d'harmonie pour la société si elle est pratiquée comme il le faut. Si elle est pratiquée en fonction, bien sûr, des, des enseignements donnés. Tout à l'heure, vous avez euh, relaté un peu... J'allais dire quelques incidents, ce qui fait du Véné le vénéré prophète Mohamed Salam. On va dire quelle endurance et quelle patience euh, à l'égard vraiment du prophète. Et 13 ans de souffrance à la Mecque. Alors je pense qu'il euh, y a encore beaucoup d'amalgames qui sont faits à ce sujet. Il est peut-être important qu'un jour, euh, on aborde aussi la question peut-être des différentes expéditions que le vénéré prophète a, a, a eu à faire. Je pense que c'est ça peut-être qui porte à confusion. Euh, souvent, certaines personnes. On, on a voulu effectivement vous inviter sur ce plateau pour effectivement montrer que effectivement la illusion devrait être garant de la paix et donc euh, promoteur. Hein, elle devait faire la promotion de la paix. Et quand on voit effectivement certains principes islamiques, euh, lui il a dit l'un des pieds de nos foi, c'est de croire n'est-ce pas, en tous les prophètes et de croire en tous les livres. Cela déjà jette les bases, on va dire, d'une harmonie sociale. Puisque, effectivement, entre religions, déjà, il ne faudrait même pas qu'il y ait. Euh, voilà. Et en plus de cela, les religions devaient contribuer, n'est-ce pas, à faire la promotion et à promouvoir la paix. Mais euh, rapidement, il y a l'un des propos euh, du prophète Mohammed qui, qui m'interpelle. Il a dit, effectivement, un vrai musulman devrait aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que cette affirmation ne peut pas contribuer? Et si jamais euh, elle était mise en pratique, est-ce que cette affirmation ne peut pas contribuer pour, à la promotion euh, de l'harmonie sociale Alhamdulillah euh, également, mm. c'est un hadith très simple, mais c'est les principes d'or. Avant de répondre à ces principes d'or, même on peut raconter l'histoire de Taïf. Quand le professeur Lassam... Il a quitté à la mecque pour aller à Toi. D'accord. Là-bas, les dirigeants de l'époque, ils ont envoyé les voyous, les enfants, le lapider En se reculant maintenant, il lui croyait que qu'il allait s'est réfugier là-bas. Uh -huh. On l'a mal accueilli. Cas, lui et son et serviteur Zed qui l'a accompagné, Zed a été blessé. Il saignait quand il porte le souci. Tellement cet acte, Alors a envoyé l'ange. Vous lui demandez, ceux qui t'ont fait ces gens des choses, que, 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 souhait, que souhaiterez-vous que je fasse aux habitants de toi Le lui-même, il se place maintenant entre Dieu et ses ennemis. Il dit Oh, Rabbi, guide ces gens-là car ils ne savent rien. Ah, S'il était violent, comme les autres le disent, pourquoi lui-même il plaide pour qu'Allah subhanahu wa les guider. On l'a suivi tout, mais il resté a, a ferme. Il demande à Dieu de guider. Sinon, l'ange lui dit que si, Dieu, si tu me dis aujourd'hui que le, Dieu va faire tremblement de terre ou bien les montagnes vont couler sur les habitants de toi, Dieu va le faire. Il dit non. Voilà. Non. Donc, ce petit exemple-là est devant nous. Non. Donc, on pourrait revenir maintenant oui. à, à ce hadith que vous avez dit, oui. effectivement, le simple fait sur l'islam dit uh -huh, un vrai musulman, tu pas avoir la foi tant que tu n'aimes pas pour les autres ce que tu aimes pour vous-même. Donc ce hadith est un principe d'or donné par le saint prophète sur la salam uh -huh. qu'un musulman vrai digne de ce nom doit aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Je crois bien que ce point est simple et profond. Non seulement si les musulmans, que ce soit les pays musulmans, eux les musulmans en pratiquant ces choses, Dieu n'a pas précisé ce que tu aimes pour toi, c'est quoi La santé, le bonheur, le succès, la réussite. Et tu souhaites pour les autres. En souhaitant ça pour les autres, si le monde a pratiqué ces, cet enseignement-là, l'harmonie est là. Tout à fait. Si je ne t'aime pas, je ne prie pas pour toi. Je prie pour toi ah, pour que tu puisses être en paix, oui. en, avoir la bonne santé, avoir des enfants, etc. Et voici un petit, un petit hadith, mais c'est plein d'amour, d'affection. Si l'humanité a compris le, ces messages-là, en tout cas l'harmonie tant attendue, et la paix tant attendue, en tout cas ces paix, cette harmonie-là va régner dans le monde entier par rapport à ces hadiths que le saint prophète l'Islam a dit. Ok, effectivement, Mohamed, euh, il a dit que c'est effectivement une parole pleine de sagesse et pleine d'or, si jamais elle était mise en pratique et dirait, n'est-ce pas, à contribuer à la promotion de la cohésion sociale, quand on sait que si jamais j'aime pour mon frère ce que j'aimerais pour moi-même, alors je pense qu'on a résolu ou résolvé, il y tous tout, les vices, effectivement, et les problèmes qui mettent notre société. Alors, il y a également des allégations qui sont faites aux premiers musulmans, aux premiers musulmans, à l'époque du venir au comme étant des personnes intolérantes. Et Deva Tanguay, quel commentaire faites-vous euh, – Ceux qui font ces allégations ou bien ces accusations sont, euh, ne sont pas euh, au problème, courant voilà. de, de, de l'histoire, comment la religion a commencé. Ils ont seulement entendu par la bouche des gens, et voilà, ils ont pris ça de là, et puis en faire un chantage à gauche à droite. Oui. En réalité, d'abord il faut voir là où leurs compagnons ont commencé. Il y a certains compagnons qui ont été eh, eh, martyrisés à cause de la religion. Il y a certains qui ont subi de tortures. Même des musulmans qui étaient très vulnérables, le prophète sallallahu wa sallam les a donné la permission de refuser d'aller à une terre proche qui était l'Éthiopie, Là où ils pouvaient au moins prendre refuge et pratiquer leur foi. Pourquoi ne faites pas, ne faites pas mention de ces, de, de ces cas-là oui. Pourquoi ne, pourquoi ne font pas mention de, les, les 13 premières années oui. de, 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 de la vie de Médine oui. Oui. Il, y a, il, y a, il y a par exemple Bilal oui. qui a été torturé. Oui. Il, il a été trimballé dans les sables, dans les rues de la Mecque. Pourquoi ne, pourquoi ne font-ils pas mention de, de ces cas oui. Il y a Amar, la famille d'Amar. Il y a certains qui ont été tués, oui. attachés par des chameaux et dessirés et, 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 et dispersés à, à, à deux sens opposés. Wow. Pourquoi ne font-ils pas ces, ces, ces de mentions? Pourquoi mm -hmm. ne mentionnent pas ces cas? Oui. Et il y a plusieurs, comme le frère abdraman l'a mentionné, le simplet mm -hmm. a été blessé en Taïf. Mm -hmm. Pourquoi ne font-ils pas mention de ces cas? Donc c'est seulement, euh, comme on le dit en français, on dit euh, le tronc d'arbre qui est sur votre popie, vous ne le voyez pas, mais le brin d'arbre, le, le brin d qui est sur la popie des autres, c'est ce que vous voyez. Mm -hmm. Sinon en réalité les musulmans, les premiers musulmans, ont été contraints à prendre d'abord, ils ont pris refuge, et après ce refuge, maintenant, c'est l'ennemi qui les a poursuivis. Donc, la seule et était de se, de wa... se défendre. Voilà, de se défendre. de se défendre. Là, là, c'est pas, c'est une guerre défensive. Okay. Donc, je reviens pour dire que eh, quand les musulmans sont, le Prophète Salam a donné la permission aux musulmans qui étaient persécutés dans les Cinq premières années de l'apostolat d'aller en Éthiopie. Les Mekois ne sont pas arrêtés là. Quand ils sont partis en Éthiopie, ils ont envoyé des émissaires pour aller dire au roi de cette époque :« Alors, il faut bannir les musulmans de, 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 de ton royaume et faire les revenir à la Mecque pour qu'on puisse les faire quoi Pour qu'on puisse faire quoi Pour qu'on puisse continuer à les persécuter pour que l'islam prenne fin. Donc. Ils ont exprimé, ils ont dit que non, le, le, le roi a posé des questions à, à ses émissaires, mais quoi Bon, qu'est-ce que les musulmans font Il dit que non, les musulmans sont venus, ils ont dit que non, l'adoration des fétiches est, est inutile, ils croient en un seul Dieu, c'est en cela qu'ils ont perturbé la cohésion et l'harmonie dans la société. Donc, en retour, un roi sage n'a pas seulement écouté une partie, en retour, il a demandé aussi aux musulmans. Qu'est-ce que vous dites Les musulmans disent oui, certes. Nous avons un prophète qui nous dit que non, l'adoration des fétiches n'a pas sa place. Et c est, c est Dieu, on adore ce un seul Dieu. Et en plus de cela, il nous dit que les riches ne doivent pas fouler le droit des pauvres au pied, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas bafouer la, les droits des pauvres ou bien les moins privilégiés. Et les pauvres ne doivent pas envier et avoir la haine. Pour, euh, les pour, pour les riches. Oui. Et il nous enseigne aussi de vivre en harmonie mmh. et de respecter les uns les autres. Donc, voilà ce qu'on a. Et effectivement, le roi, étant sage, a écouté les deux parties, en en tirant une conclusion, il dit que non, ceux-là, je ne peux pas les refouler parce qu'ils n'ont rien fait du mal. Et une partie, est-ce qu'il a demandé, est-ce que les Mécois, est-ce que les, cette nouvelle religion, les adhérents de cette nouvelle religion, ils vous font la guerre les Mécois étaient obligés de témoigner, de donner un témoignage. Ils non, ils ne font pas la guerre. Donc, s'ils ne vous font pas la guerre, alors que vous les avez. S'ils si sont, ve si sont venus, c'est-à-dire qu'ils sont opprimés d'une part ou l'autre. Donc, pourquoi vous les poursuivez Si c'était eux qui fait vous torturaient, mmh. c'est eux qui allaient vous poursuivre. Oui. Donc, le roi a refusé. Voilà, euh, en Et quelques oui. mots, ce qu'on pouvait dire euh, les, sur euh, le traitement ou bien les conditions des premiers musulmans. Donc voilà, d'abord, c'est tout un livre, un, tout un euh, sous, euh, des évidences vraiment très claires et palpables, que les musulmans n'ont pas été sanguinaires, les musulmans n'ont pas été intolérants, les musulmans n'ont pas été vraiment, comme on le dit aujourd'hui, des mercenaires à la guerre. Non, au contraire, c'était des gens doux, passifs. Croyant en l'insulé, qui croyait en l'harmonie et la tolérance de la société. – C'est des, des personnes qui ont subi des tortues, on va dire, qui ont subi toutes sortes de tortues, qui étaient même obligées de fuir leur ville natale pour se réfugier. Alors dire que ces gens étaient intolérants, c'était de votre guerre, c'est une méconnaissance de l'histoire, et on va dire, l'ignorance, effectivement, euh, contribue, n'est-ce pas, à alimenter euh, ce genre de propos. Alors, pour terminer, M. Ouattara Boudraman, effectivement, toujours des allégations faites à l'islam. On dit que le manque de paix dans le monde euh, serait imputé, ou on pourrait imputer ça à l'islam, au vu des actes que commettent les musulmans. Est-ce qu'on oui. peut euh, vraiment l'affirmer, au vu, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit et tout à l'heure par Mourabi et Mohamed, en mettant votre mot de fin, s'il vous plaît Absolument non. Vous mm -hmm. voyez, si un individu uh -huh, a commis une erreur ou bien une faute, on ne peut pas appliquer ça uh -huh, à toute une communauté. On a si bien dit ici, si l'islam c'est la paix, c'est la tolérance, c'est de vivre en ah, harmonie, bon. en amitié avec tous les congénères. Je dis bien tous les congénères. Bon, s'il y a une brebis galeuse au sein de l'islam qui a commis une faute, on ne peut pas appliquer ça sur l'islam parce tout que ce n'est pas dans notre euh, sainte culture. Effectivement, vous l'avez bien dit. L'islam, voilà. effectivement, c'est la paix ouais. et effectivement la tolérance et donc vivre en harmonie. Alors, mauvais euh, aller effectivement, c'est tous ces propos-là qui nous amènent à penser que les gens, effectivement, se trompent et donc euh, on va donc euh, permettre aux uns aux autres de faire encore plus de richesses quand il s'agit effectivement de l'islam Alors, c'est sur ces propos que nous mettons un thème à cette émission, fidèle téléspectateur de Ciel Nouveau. Ces émissions sont donc un produit, Ciel Nouveau est un produit pu de l'MTA francophone. Et ces émissions sont faites pour vous édifier, vous assagir. Et en tant que musulman, vous devez vous approprier, n'est-ce pas, toutes ces valeurs et ces enseignements islamiques afin, n'est-ce pas, de montrer l'image, et j'allais dire la vraie image, que présente l'islam à partir de ces enseignements.

Ya sa esa anajera Yo quería caer en baralla y cramo.